Bonjour, merci d'être au rendez-vous avec nous pour ce texte qui s'appelle « J'ai rendez-vous avec Dieu ». C'est la sixième lecture de ce cycle « ça va le monde ». Donc on ne se retrouvera pas demain, mais après avoir rencontré Dieu, je pense qu'on aura eu notre sou. C'est donc la dernière lecture de ce cycle « ça va le monde » qui est une coproduction de RFI, du Festival d'Avignon, de la compagnie Utopia, en partenariat avec qui ? Est-ce que vous savez avec qui nous sommes en partenariat ? Avec la SACD, merci, et l'Institut français, merci. On pourrait faire une septième lecture que vous répondiez tous en cœur pour les habitués. Donc la SACD, l'Institut français, qui sont vraiment des partenaires importants, mais bon, je ne vais pas vous re-raconter toute l'histoire aujourd'hui. Ce texte est un texte un peu particulier dans ce cycle où vous entendez des auteurs francophones parce qu'il s'agit d'un texte d'une autrice ougandaise. Alors pourquoi un texte traduit ? Pour une raison assez simple, c'est que nous sommes avec un temps de retard dans la saison Africa 2020. Et la saison Africa 2020, fort justement, a voulu mettre en lumière l'Afrique dans sa pluralité, dans son plurilinguisme. Parce qu'on ne parle pas que français en Afrique, pour ceux qui le croiraient. Il y a des langues africaines très nombreuses, on y parle aussi anglais ou portugais, et il nous semblait important de faire ce petit rappel avec une autrice ougandaise, et pas simplement parce qu'elle est anglophone et ougandaise, mais parce que son texte est aussi assez formidable. Donc, il faut saluer la programmation de la saison Africa 2020 dans ce programme, et il faut aussi saluer l'implication de la Maison Antoine Vitez, qui est le Centre international de traduction théâtrale, sans qui cette traduction n'aurait pas eu lieu. Donc nous échangerons tout à l'heure avec Gisèle Joly, qui est dans l'assistance, bonjour, et qui a traduit ce texte de Assimoué Déborah Kawé. J'ai rendez-vous avec Dieu, je ne vous en dis pas plus, c'est clair, il faut juste penser qu'il y a une typographie un peu particulière, que le Dieu, en fait, n'est pas le bon Dieu, mais c'est Dieu, D-I minuscule, E-U majuscule. Et vous comprendrez pourquoi il est question notamment d'obtention de visa. Assimoué Déborah Kawé nous regarde aujourd'hui sur la page RFI, la page Facebook de RFI, puisque les lectures sont diffusées par ce média-là. Donc on la salue, elle est en Ouganda. Elle n'est pas venue pour des raisons personnelles tout à fait compréhensibles et entendables. Donc néanmoins, la situation qu'elle raconte dans cette pièce, c'est une situation qu'elle a en partie vécue il y a quelques années, mais on verra ça avec Gisèle Joly. Bref, j'ai trop parlé. Comme c'est la dernière, j'ai l'impression que c'est moi qui suis au centre de tout. Mais c'est pas vrai. Donc je vais citer la distribution. Mise en voix donc Armel Roussel avec Tom Hadjibi, Karim Barra, Clémentine Coutan, Fatou Anne, Nancy Nkouzi, Ibrahima Diokine Sambou, Sophie Sénéco, une création sonore de Pierre-Alexandre Lampert. Et côté RFI à l'image Dominique Fian et Romain Ferré, ça c'est pour Facebook notamment. Et puis Thibaut Baduel et Jérémy Bessé, sans qui vous n'entendrez rien. Ce sont les réalisateurs de RFI. Merci de votre attention. Bonne lecture. And nearly all Americans have ancestors who braved the oceans, liberty-loving risk-takers in search of an ideal. The largest voluntary migrations in recorded history. Across the Pacific, across the Atlantic, they came from every point on the compass, many passing beneath the Statue of Liberty with fear and vision, and sorrow and adventure, fleeing tyranny or terror, seeking haven, and all seeking hope. Immigration is not just a link to America's past. It's also a bridge to America's future. Il est exactement 5h30 du matin. J'ai 29 ans. On est le 1er avril, poisson d'avril. Et je suis sur mon 31. Nous habillons tous pour bien paraître. Je passe et repasse en revue mes documents. Nous vérifions tous des dizaines de fois nos documents. La peur au ventre, les mains tremblantes. Nous vérifions. Formulaire de demande de visa non-immigrant. Présent. Passeport en cours de validité. Présent. Lettre d'invitation. Présent. $100. Présent.
Il fait froid, il crachine, et rien pour s'abriter. Il y a 19 personnes dans la file, je suis la 20e. Numéro 20. Levé à 4h du matin pour être ici à 5h30, mais 19 personnes se sont réveillées avant moi. 19 personnes ont attendu avant moi sous la pluie, avant moi dans le froid, avant moi dans la queue. Levé plus tôt que moi pour rencontrer Dieu. Je regarde derrière moi, 5 de plus. Nous sommes maintenant 25. Il est exactement 5h35 du matin, le 1er avril, poisson d'avril. Je me tais, j'observe, je songe. Que ce crachin n'en a que faire, choisir un jour pareil pour faire son affaire, le jour où je vais rencontrer Dieu. Il serine avec impudence sa romance au panneau métallique de cet énorme édifice. Le domaine de notre Dieu, ce géant parmi les nains. Crachine sur le béton, sur nos habits, sur nos corps, crachine sur nos espoirs. Je regarde derrière moi, 5 de plus. Nous sommes 30 maintenant. Il est exactement 5h40 du matin, le 1er avril, poisson d'avril. Mes documents sous le bras, à l'abri sous ma veste. La dame, devant moi, ses documents contre son cœur, sous son chemisier, son bien le plus précieux. Elle les tient serrés. Elle est trempée, elle grelotte, elle n'a pas de veste. Une idée me traverse. Mais prête-lui ta veste. Je la chasse aussitôt. J'observe la dame, trempée jusqu'aux os. Elle baisse les yeux, l'eau de pluie coule sur son visage à travers ses cheveux épais. Elle frissonne. Le jour pointe, des voitures passent, le soleil perce, des oiseaux pépient, le crachin faiblit, nous attendons. Murmure dans la file, il en arrive encore. Il est exactement 6 heures du matin, nous sommes maintenant 40. Nous sommes sur les nerfs. Nous sommes en attente. 40 venus là rencontrer notre Dieu. La foule raconte des histoires sur elle-même, des histoires sur les autres, des histoires d'entretien avec Dieu. Les voilà qui chuchotent. Je suis déjà venu ici 2 fois. Moi, c'est la première fois. Moi, j'étais aux USA 4 fois. Et vous êtes revenu ? On m'a jamais refusé de visa. Waouh ! Mais je vous ai déjà vu ici, monsieur. On vous a refusé le visa ce jour-là. Moi, non. Vous avez mal vu. Pas moi, jamais de refus, jamais de refus, jamais dit vérité. Mon enfant est malade, refusé les 2 fois. J'ai une bourse pour étudier aux USA, c'est quelle ma première chance. Demande. Avoir le visa, ça ne garantit pas d'entrée en terre promise. Tu peux arriver aux portes d'entrée et on te refuse quand même accès à la terre promise. Oh, cette terre promise. Tu as un visa, tu croises les doigts. Cet homme a l'air de tout savoir. Je mens tout le temps. J'ai visa toutes les fois. Des rires étouffés remplissent les silences. Un des dieux est plus aimable, il paraît. Il y a des jours où ils sont plus aimables. Il y a des jours où ils sont méchants. Suffit de les regarder dans les yeux. Même quand vous mentez. Ils peuvent voir si vous mentez. Je baisse jamais les yeux quand je mens. Moi, je mens jamais. Je mens jamais quand je cligne les yeux. Pardon, je cligne jamais quand je mens. Cet homme croit tout savoir. Le soleil paraît. Le crachin se défile. Les portes du bâtiment vomissent et vomissent des gens. Les vigiles. Voyez, leur identification. Comme des cordes à leur cou. Sans cligner, ils regardent, surveillent, inspectent. On se croirait à un défilé militaire. Matraques pendillant à leur ceinture, l'œil braqué sur nos habits, nos souliers, nos regards avides, nos airs de chiens mouillés, nos mines transies en manque de sommeil. Il est 6h30 du matin, le 1er avril, poisson d'avril. Chut! Les anges vont arriver. Ceux qui évaluent les situations. Ceux à qui on ne parle jamais. Ceux qui vérifient nos papiers. Ceux qui déterminent qui va chez les dieux en premier et qui va chez les dieux en dernier. Soudain, les vigiles s'agitent. Des voitures et des voitures, en veux-tu, en voilà. BMW, Mercedes-Benz, Jeeps Grand Cherokee qui freine, Chris s'arrête. Il est 7 heures du matin, le 1er avril, poisson... Votre attention. Les anges sont arrivés. Fini de chuchoter. Fini de glousser. Silence. Gros soupir. Lourd soupir. Gros de peur et d'espoir. Lourd de désespoir et de foi. Cœur qui cogne, palpite, s'affole. Bientôt, nous serons appelés. Chacun par un numéro à comparaître devant notre Dieu. Ici, nous n'avons pas de nom. Nous sommes des numéros.
Vos formulaires de demande de visa non-immigrant ? C'est bon. Vos passeports en cours de validité ? C'est bon. $100 ? C'est bon. Les 5 premiers, avancez. L'heure est venue. Accès numéro 1. Pour les fils et les filles de l'homme. Ouvert. Lorsque les portes s'ouvriront. Entrez lentement par l'accès numéro 1. De rendre compte des transgressions commises dans leur existence. Vos documents à la main. Et des transgressions commises dans leur déplacement. Pas d'article illicite. Lorsque le livre de la vie. Accès numéro 1. Sera ouvert. Fermé. Mon nom sera-t-il inscrit dans ce livre ? Le livre de la vie. Cette fois, il est 7h15. Vous, c'est la première fois ? La dame devant moi, avec des cheveux épais, celle qui n'a pas de veste, s'est retournée et me fait face. Pardon, vous disiez ? La première fois ? Oui. Moi aussi. Tendu ? Et vous ? Non. Votre attention. Je ne suis pas... Les 5 suivants. Accès numéro 1. Kufuna kuzuli wanisiku moja. Ouvert. Je ne parle pas le kiswahili. Accès numéro 1 fermé. On n'est qu'une fois, on meurt qu'une fois. Ah, la mort. Là-dedans se joue ma vie. C'est sérieux, on dirait. C'est sérieux, la vie. Toi, c'est quoi ton histoire ? Mon histoire ? Oui. Ici, tout le monde a une histoire. Tu pars pour quoi ? Ah, un congrès. Quel genre ? De jeunes espoirs qui excellent dans leur domaine. Tu as excellé dans quelque chose. Il faut croire. Qu'est-ce que tu fais ? Je travaille dans des communautés. Quel genre ? Des communautés rurales. On crée des laboratoires d'idées dans des communautés pour aider les gens à trouver des solutions à leurs problèmes. Sous-entendu, tu fais partie de ces gens hyper doués. Qu'est-ce que tu veux dire ? Laboratoire d'idées. Des grands mots pour embrouiller les gens ordinaires. Impressionner les dieux. Et tu as eu le droit d'entrer ? Elle est mal polie avec ses suppositions. Elle ne me connaît pas. Tout est pris en charge ? Pardon, mais il faut que je vérifie mes documents. Pour ton voyage, je veux dire. Tout est pris en charge ? Oui. Le mien aussi ? Bien. Pour de bon ? Pardon, quoi ? Tu y vas pour de bon ? Les USA aiment garder les gens hyper doués comme toi. Pour de bon ? Jamais de la vie. Eh bien, moi, si. Pour toujours. Je vois. Pour toujours. Tant mieux pour toi. J'espère trouver un emploi une fois là-bas. Ah, tu y vas donc pour travailler. Votre attention. Non. 5 suivants. Des études ? Accès numéro 1. Non. Ouvert. Je vois une bague à son doigt. Ah tu y vas pour te marier ? Me marier ? Très drôle. Cette bague est juste un accessoire. Accès numéro 1. Puisque tout le monde a une histoire, c'est quoi la tienne ? Accès numéro 1 fermé. Tu es de l'ouest ? Je te demande pardon ? Tu es de la partie ouest de ce pays ? Mais pourquoi est-ce qu'on se met soudain à parler de là d'où on vient ? D'accord. Tu n'es pas très amicale comme personne. Quand il s'agit de nos différences, quand il s'agit des régions d'origine, de là d'où on vient, non, je ne suis pas très amicale. Votre attention ! Votre attention ! C'est à nous ! Nous sommes les suivantes ! Les 10 derniers ! 10 derniers ? Allez au guichet ! Les 10 derniers vont au guichet ! Mais nous, on était là avant ! Chut ! Les 10 derniers. Quoi ? Mais silence. Demain. Qui ça pour demain ? Les 10 derniers, revenez demain. Enfin. À nous. À notre tour. Mon cœur est comme un tambour dans ma poitrine. Mes documents, êtes-vous là ? Formulaire de demande de visa non-immigrant. Passeport en cours de validité. Lettre d'invitation. $100. Votre attention. La photo sur mon formulaire. 5 sur 8. 5 suivants. Bien face à l'objectif. Avancez. Visage dégagé. Accès numéro 1. Yeux ouverts. Ouvert. Deux oreilles visibles. Fermées. Nez visible. Suivant. Pas de tête baissée. Vous. Moi. Venez ici. Menton levé. Nous sommes au garde à vous. Il y a un problème ? Allez là-bas. Pas de sourire. Passez sous le portique. Une affaire sérieuse. Dépêchez-vous. Je songe. Mon formulaire. Ai-je pensé à tous les espaces ? Restez là. Ai-je bien mis mon nom ? Ôtez votre veste. Le numéro de passeport. Ouvrez votre sac. La date de délivrance du passeport. Videz votre sac. La date d'expiration. Éteignez votre portable. Le lieu de délivrance. Détachez vos cheveux. Le lieu de naissance. Ôtez votre montre. La date de naissance. Ôtez vos chaussures. La dernière heure est venue. 1er avril, passez sous le portique. La date de notre mort. Nous passons sous le portique. Revenez. Qu'est-ce que j'ai fait ? Par ici. Moi ? Votre sac. Mon sac ? Sur le tapis du scanner. Pas de bijoux ? Oui, monsieur. Pas d'armes ? Non, monsieur. Pas d'épingle à cheveux ?
Encore. Si, monsieur. Pas de coupe-ongle. Si, monsieur. Pas de produit liquide. Encore. Si, monsieur. Votre numéro. Mon numéro. Votre ticket. Mon ticket. Votre sac. Mon encore. Sac. Vos papiers. Mes papiers. Nos précieux papiers. Accès 2 ouvert. Passez sous le portique. Nous entrons en colonne. Comme des fourmis en quête de nourriture. Je lève les yeux devant moi. Voilà donc où siègent les dieux. Voilà donc où les anges résident. Voilà donc où les ordres se donnent. Voilà donc où se nomment les saints. Oh Seigneur, je veux être du nombre de ceux qui sortiront d'ici le sourire aux lèvres. Oh, quand les saints entrent en colonne. Oh, when the saints go marching in. Oh, when the saints go marching in. Oh Lord, I want to be in that number. Oh, when the saints go marching in. Oh, quand on appellera mon nom, oh Seigneur, je veux être du nombre. Je m'assois et cette chanson continue à trotter dans ma tête. La femme aux cheveux épais, celle avec ses régions d'origine, s'est mise à côté de moi. Mais cette fois, je vais l'ignorer. Je pense tout haut, je me parle à moi-même. Oui. Quand les saints entreront. Les saints ? Oui, Seigneur. Je veux être du nombre. Quel nombre ? Oh, mais c'est qu'elle m'écoute. Elle épie mes pensées. Quel nombre ? Impossible de l'ignorer. Le nombre des saints, ceux qui seront admis. Moi aussi, je dois être du nombre. Oh, quand les saints entrent en colonne. Oh, quand les saints partent en colonne. Partent ? Plutôt qu'entrer. Oh, Seigneur, je veux être du nombre. Oh, quand les saints partent en colonne. J'avais l'air en colère. Voilà qu'elle me montre son passeport. Non, mais cette femme n'a pas de limite. Hachem, tu es jumelle. Comment tu le sais ? Ton nom, Hachem. Le nom qu'on donne à une jumelle chez les gens du Nord. Comment tu sais ça ? Beaucoup de mes amis sont du Nord. Et toi, c'est comment ? Katché, ça veut dire la menue. Votre attention ! Premier arrivé, premier servi, chaque chose en son temps. Ceux qui sont déjà allés aux États-Unis à ma droite. Que se passe-t-il ? Ils ont toujours la priorité à ce qu'on m'a dit. Oh, les brebis seront séparées des boucs. Le bon grain de livret. Devant ces dieux-là, dans cette partie du monde, la question, ce n'est pas d'où on est. La vraie question, c'est d'où on est, la tête qu'on a, à quoi on croit, qu'est-ce qu'on possède et où on est allé avant ça. Premier arrivé, premier servi, ce n'est pas du favoritisme, on appelle ça prioriser. Je ne l'aime pas. C'est son métier. De faire et de dire des âneries ? On appelle ça prioriser. Qui dit ça ? Arrête, Hachem. Peut-être qu'il n'est même pas d'accord avec ce qu'il dit. Il refuserait de dire des trucs pareils s'il savait comme il a l'air bête. C'est un métier, il lui faut bien vivre. C'est pas une façon de vivre, ça. C'est de la survie. Il est presque 11h. Hachem, tu es bavarde. Tu as rendu l'attente plus facile. Tu m'as fait rire. Pourtant, tu es tellement crispé. Je pense que nous pouvons être... Nous le sommes presque... amis. Votre attention. Chaque chose en son temps. Premier arrivé, premier servi, ceux qui sont déjà allés au Royaume-Uni à ma droite. Si seulement ils pouvaient arrêter de répéter « Premier arrivé, premier servi, ceux à ma droite. » Il fait son métier. On dirait un texte appris par cœur. Passer par la porte ouverte. Rien d'arbitraire là-dedans, c'est de l'analyse rationnelle. Il emploie des grands mots. Analyse rationnelle, prioriser. Tu devrais songer à l'intégrer à ton truc, là, ton labo d'idées pour jeunes d'exception. Je me tourne vers Hachem. C'est qui ta sœur jumelle ? Hachem, c'est qui ta sœur jumelle ? Apio. Où est-elle ? J'en sais rien. Vous n'êtes pas très proche, on dirait. Au contraire. Bah, tu ignores où elle est. Katché. J'ai pas envie d'en parler. Tu refuses de me raconter pourquoi tu t'en vas pour de bon. Tu refuses de me raconter la moindre chose sur ta jumelle. Bah, pourquoi tu veux connaître l'histoire des autres et pas nous faire partager la tienne ? Tu ne comprends pas. Bah, aide-moi à comprendre. C'est à ce Dieu de comprendre. Il faut que je m'en aille. Ici, pour certains d'entre vous, c'est un pays. Pour certains d'entre nous, c'est un cimetière. Ça me hante. Je ne peux pas vivre ici. Je suis obligée de partir.
Mais qu'est-il arrivé? Nous sommes tous coupables. Ce pays, c'est le serpent qui se mord la queue. Chacun se retourne contre son voisin. Ah, je croyais que tu n'avais aucun problème avec nos régions d'origine. Ce n'est pas mon pays, plus maintenant. Enfin, c'est... J'en perds cette HN. Qu'est-ce que tu dis? Avec cette jeune fille, cette jumelle qui a été enlevée par les rebelles. Quoi? Et le père des jumelles. HN. Et la mère des jumelles. Quoi? Je me suicide. Arrête. J'enterre ma douleur au fond d'une tombe vide. Je ne me rendais pas compte. Pour qu'une nouvelle HN émerge. Je suis désolée, je comprends. Un nouvel espoir. Un autre avenir. Katché, quand je dis que je dois m'en aller, je sais de quoi je parle. Pourvu que notre Dieu comprenne. Là-dedans se joue ma vie. Ceux qui restent, passez par la porte ouverte. L'heure est venue, autour des pourceaux, autour de l'ivraie, de pénétrer dans le temple, le Saint des Saints. Je m'assois à côté d'Achen. Elle est passée par le guichet numéro 1. Elle est numéro 22. Le silence règne. C'est un temple ici, ma parole. Ces chaises sont sacrées. Chut. Ces murs sont sacrés. Chut. Ce drapeau est sacré. Chut. Cet aigle est sacré. Chut. Taisez-vous. Chut. Nous sommes dans le temple. Tout a l'air sacré. Je ne suis jamais allée dans un endroit sacré comme ça. Chut. Des voix nous parviennent. Suivant, suivant. L'homme au guichet numéro 1 a dit la même chose. À tout le monde et à ceux qui étaient là avant nous. Le guichet 2 s'est fermé. Le guichet 3 s'est ouvert. Il y a un visage derrière la vitre blindée. Un visage de 40 ans ou plus. Un visage ordinaire. Sans sourire. Sans colère. Sans haine. Sans amour. Indifférent. Je sais pas. C'est bien ce qu'il est. Oh mais tais-toi, Chen, c'est juste un visage à lunettes. Ça doit être le visage de Dieu. Le guichet 2 rouvre. Un autre visage de Dieu. Numéro 20. C'est moi. Voilà l'homme à qui on n'a jamais refusé de visa. L'homme qui est allé aux USA 4 fois. Mais j'ai déjà vu cet homme ici. C'est l'homme de la photo au mauvais format. Alors, tout est bon aujourd'hui? Oui, madame. Votre photo? Vous m'avez dit la dernière fois 5 sur 8. Comme vous voyez, j'ai ça. 5 sur 8. Et sur fond blanc? Oui, madame. Et ça, ce n'est pas blanc? Blanc, madame. Ah, ça, c'est crème? Blanc, madame. Vous êtes daltonien ou quoi? Ça, c'est crème. Pas de différence. Bon, ce sont deux couleurs différentes. Blanc, crème, c'est même chose. Pas de différence. Allez. Madame, couleur, qu'est-ce que ça peut faire? Partez, monsieur. Encore une fois, je m'en vais. Je fais quoi, là, maintenant? Retournez-vous-en, corrigez ce qui ne va pas et revenez. On me rend mon argent de visa? Mais ça alors, vous savez bien que c'est non remboursable. Mais mes papiers sont bons! Vos documents sont en ordre, rapportez une photo conforme. Alors je retourne! Allez! Je peux pas laisser mes papiers et revenir demain avec une bonne photo? Non! Et l'argent? Suivant! L'homme est entraîné vers la sortie, malgré ses lamentations. Maintenant, je cherche plus d'argent encore. Je suis navrée pour cet homme. Nous le sommes tous. Mais ici, il n'y a pas de formule magique. Oh, je suis gênée. On l'est tous. La foule chuchote sur cet homme. Il se trompe, mais toujours sur quelque chose. Comme la plupart d'entre nous. Trompé de formulaire la première fois. Trompé sur la photo. Pas 5 sur 8. Une seule oreille visible. Et aujourd'hui? Le fond, pas de la bonne couleur. Et chaque fois, non remboursable. Numéro 21. Bonjour madame, je m'appelle Fatima. Bon à savoir. Qu'est-ce que vous allez faire aux USA? Il y a un mariage. Êtes-vous la personne qui se marie? Non. Qui donc se marie? Ma sœur. Comment s'appelle-t-elle? Habiba Mazo. L'avez-vous citée parmi vos frères et sœurs sur le formulaire de demande? Non. Et pourquoi? Parce qu'elle n'est pas ma sœur-sœur, c'est ma sœur-cousine. C'est votre cousine Germaine? C'est ma sœur-cousine, comme pour dire une sœur pour moi, mais une fille de mon oncle. Vous comprenez? Ma sœur-cousine. Je vois. Et qui paye votre voyage? Mon oncle. Avez-vous déjà réservé votre vol? Je peux voir votre itinéraire? Non, parce que mon oncle essaye encore de trouver l'argent et il a dit aussi, et si on réserve le vol et que tu n'as pas le visa? Donc, en fait, vous n'avez pas les moyens d'aller à ce mariage? Ben, si, c'est juste que je...
Demande reçue, visa refusé. Fatima est paralysée. Elle ne l'avait pas vu venir. Mais nous, on l'avait vu venir. Sœur cousine et l'oncle qui paye le voyage, mais qui cherche encore l'argent. Fatima s'éloigne, comme si ses jambes traînaient un boulet. Dans ce lieu, après avoir rencontré notre Dieu, nous marchons tous comme ça. Nos jambes refusent de nous porter. Numéro 22. Autour d'Achène. Je retiens mon souffle, je dis pour elle une prière muette. Bonjour. Bonjour, madame. Comment se prononce votre nom ? Achène. Achène, c'est un joli nom. Il doit s'agir du dieu sympa dont parlait tout le monde. Ça démarre bien. Merci, madame. Et donc, que puis-je pour vous ? J'aimerais aller aux États-Unis d'Amérique pour un séminaire. Et alors ? Je ne peux pas voyager sans visa. Et alors ? C'est ici qu'on délivre les visas. Et alors ? Madame, vous avez mon formulaire de demande devant vous. Faudrait voir être plus polie, mademoiselle. Tous ceux qui sont ici viennent pour une demande de visa, je sais pas, je croyais que c'était évident. Ce dieu foudroie Achène du regard. Et pourquoi cet œil mauvais ? C'est la voix d'Achène qui est trop forte. Peut-être qu'elle a rendu notre dieu sourd. C'est la peau d'Achène qui est trop foncée. Peut-être qu'elle a rendu notre dieu aveugle. Que faites-vous dans la vie ? Je suis infirmière. Où travaillez-vous ? À l'hôpital Mengo. J'aimerais jeter un coup d'œil à votre relevé de compte. Voici, madame. Avez-vous quoi que ce soit d'autre qui puisse prouver que vous avez des attaches fortes dans votre pays ? Qu'est-ce que Achène doit prouver de plus ? Je vous parle, mademoiselle. Avez-vous un terrain ? Non. Une maison à votre nom, peut-être ? Non. Une voiture ? Non. Mais vous n'avez rien ? Rien ? Ça veut dire que moi non plus, je n'ai rien. J'ai mon boulot, un emploi qui paye plutôt bien. Qu'est-ce que vous entendez par qui paye plutôt bien ? C'est pas ce salaire-là qui vous pousserait à revenir. C'est rien. Mais qu'est-ce qu'on veut qu'elle dise ? Qu'est-ce qu'il lui reste d'autre comme attache ? Que font vos parents ? Pas de réponse. De grâce, Dieu, Achène doit vraiment partir. On ne peut pas vous délivrer de visa pour les États-Unis d'Amérique, car vous n'avez pas réussi à prouver que vous avez des attaches fortes dans votre pays. Demande reçue, visa refusée. On lui remet un document pré-signé, selon quoi elle est suspectée de vouloir immigrer clandestinement. Libérez mon guichet, mademoiselle. Libérez mon guichet immédiatement. Pas avant de te dire franchement ce que je pense. Bah, je suis pas là pour m'entendre dire ce qu'on pense de moi. Tu sais que tu n'es pas du tout un dieu, en fait. Le dieu dit quelque chose dans le micro. Code numéro 7. Sais-tu que ce pays existe parce que des gens y habitent ? Code numéro 7, vous êtes là ? Sais-tu que vous êtes nombreux à venir ici sans avoir à prouver la moindre attache dans votre pays d'origine ? Allô, je peux avoir du renfort, s'il vous plaît. On peut m'envoyer code numéro 7 au guichet 3. Pourquoi est-ce qu'on vous traite comme des dieux et que toi, tu me traites comme un chien ? Faites sortir cette femme. Je crois qu'elle est folle. Le vigile l'emmène. Je ne suis pas folle ! Ce qui me rend dingue, c'est que toi, tu viennes ici sans qu'on t'ait fait subir l'interrogatoire que tu me fais subir. Qui de nous deux devrait vraiment prouver qu'elle n'a pas l'intention de rester ? Elle crie des obscénités. Espèce de rat, va ! T'as pas le droit de me toucher les seins, toi, Pania ! Achène vient de traiter le vigile de rat. Lâche-moi ! Ma vie à coucou ! Achène, blasphème ! Crotte de pique ! Traiter ainsi notre dieu de crotte de pique ! Mais c'est un sacrilège dans un lieu saint ! Elle a injurié notre dieu. Notre dieu est morose. Nos chants sont minces, notre foi éprouvée, notre espoir envolé. Katché ! Je me cache derrière un journal, je fais comme si je ne m'appelais pas ainsi. Katché ! Elle crie mon nom en présence des dieux, je ne dois pas répondre, ils vont croire que je suis folle moi aussi. Katché ! Elle hurle mon nom. Katché ! J'ai envie de me retourner, je ne dois pas me retourner, je ne veux pas me retourner. Ils vont croire que je suis comme elle. Numéro 23. C'est moi. Votre nom ? Je songe. Je croyais que c'était évident. Katché. Âge ? Je songe. Pourquoi ai-je dû remplir le formulaire ? 29 ans. Mariée ? Je songe. Tous ces renseignements sont sur le formulaire, mais je dois rester polie, je ne veux pas être comme Achène. Célibataire. Oh. C'est pas courant dans votre pays. Pourquoi êtes-vous célibataire à 29 ans ? Parlez-moi de votre famille. Je songe. Qu'est-ce qu'elle veut savoir ? Ma région d'origine ? Mon clan ? Mes ancêtres ? Qu'est-ce qu'elle veut savoir ? Je me tais.
Que fait votre père ? J'ai indiqué sur mon formulaire que mon père est mort. Il ne peut plus travailler. Et pourquoi ? Il est mort. Quand est-il mort ? Mais Dieu, mais en quoi est-ce si important pour m'accorder un visa ? Vous avez oublié quand votre père est mort ? L'année dernière. De quoi est-il mort ? Ben là, c'est trop. Vous avez oublié de quoi il est mort ? L'arthrite. L'arthrite ? L'arthrite. Oh. Je suis désolée. Merci. Et votre mère ? Elle n'est pas morte. Que fait-elle ? Je songe. Ma mère est une vieille femme. Elle n'a pas d'employeur. Elle vit et travaille chez nous à la ferme. Pour ma mère, c'est ça, travailler. Pour nous, c'est ça, travailler. Mais pour notre Dieu, est-ce travailler ? Mademoiselle, vous êtes avec moi, là ? Que fait votre mère ? Elle... Dites simplement qu'elle ne travaille pas. Notre Dieu n'attend pas mes réponses à ces questions. Au lieu de cela, elle écrit. Elle écrit avant que j'aie fini de répondre. Elle écrit depuis que je suis arrivée à son guichet. Quel genre de travail faites-vous ? Je l'observe. Sa façon de me transpercer du regard, de planter ses yeux dans les miens, elle me regarde exactement comme elle regardait Hachen. Elle écrit. Vous ne savez pas. Vous avez un emploi ? Ses yeux sur moi, ma gorge est sèche, ma langue collée, mon souffle court, le cœur qui cogne, la tête qui tourne, je ne pense rien. Elle écrit de nouveau. Vous n'avez pas d'emploi. Qui finance votre voyage ? Je songe. Ils sont légion. Si elle pouvait réclamer ma lettre d'invitation, ils y sont tous. Il y a... Elle écrit. Manifestement, vous n'avez pas de parrain. Non, 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 de grâce, ne faites pas ça, j'ai des parrains, il y a... Demande reçue, visa refusée. Là, comme ça, d'un coup de tampon sur mon passeport, elle m'a déclarée suspecte d'immigration clandestine. Allez, allez, qu'est-ce que vous attendez ? Je ramasse mes papiers éparpillés, je m'éloigne. Il y a encore 13 personnes attendant de rencontrer Dieu. 13 personnes ! Ont écouté ce que je disais. 13 personnes ! Ont regardé ce que je faisais. 13 personnes ! Gênées pour moi, alors que je rencontrais Dieu, que je sois restée sans voix devant ce Dieu et mes jambes qui refusaient de bouger. Je repense à Hachen. J'aurais dû regarder dans sa direction. J'aurais dû lui dire au revoir. Mais j'avais compris qu'ici, c'est la compétition. Nous sommes rivaux. Je voulais gagner. Non être une folle comme Hachen. Car lui dire au revoir, me tourner vers elle, lui faire signe de la main aurait sûrement fait de moi mais une déséquilibrée, une perdante. Tout ça, c'est de la faute d'Hachen. Elle a mis notre Dieu en rogne, elle a grillé mes chances et me voilà comme elle, une perdante. Je suis éliminée, je ne suis pas du nombre. Il est midi et demi, pile. J'ai 29 ans, on est le 1er avril, poisson d'avril. Je porte la main à mon sac et comprends que je suis plus pauvre de 100 dollars. Il me vient une larme, plus pauvre de 100 dollars. Et peut-être aussi traître envers Hachen. Ainsi, je suis deux fois perdante. Le deuxième jour, même lieu, un autre jour. Il est exactement 3 heures du matin, j'ai 29 ans, on est le 4 avril, 3 jours après le jour des dupes. J'ai changé de costume. Talons hauts, cheveux en arrière, perles d'emprunt, pour la première fois, je suis maquillée. Tu vois, a dit mon ami, l'image fait tout. Et l'honnêteté, lui ai-je demandé. Rien, vraiment rien. Tiens, prends ces perles, le mariage aussi. Du maquillage et un collier de perles m'ont fait changer de classe comme par magie. Mon supplément de documents sous le bras. Il ne pleut pas aujourd'hui, aujourd'hui, c'est mon jour. Ça se prépare pendant des jours, un jour comme celui-ci. Les contrats de plusieurs employeurs et des renseignements sur mes employeurs précédents. Il faut prouver qu'on reviendra. Les dizaines de lettres de soutien des parrains du voyage. Il faut prouver qu'on est ce qu'on se prétend. Depuis le 1er avril, je ne dors plus tant je réfléchis. J'étudie le moyen d'être plus maligne que les dieux. Devant le miroir, chacun répète. Bon, disons que tu es Dieu, ai-je dit à mon amie, et que moi, je suis moi. Elle a rencontré les dieux à bien des reprises. Elle est allée et revenue de la terre promise. Elle me dit, ne t'appuie pas à son guichet. Il faut que je reste droite.
Tiens-toi comme ceci. Droite comme un piquet. Regarde le Dieu comme ceci. Droit dans les yeux. N'implore pas. Il faut mentionner les faits. Relève un peu les coins de ta bouche. Oh, non, alors. Elle trouvera ton sourire naturel. Mais je ne la connais pas. Sourire naturel égale confiance en soi. Je me suis fait coacher. Comme nous tous. Je suis résolue à parler, à prouver à ce Dieu que pour moi, le Nord ou l'Occident, c'est moins bien que chez moi. Numéro 42. C'est votre deuxième demande ? Bonjour madame, je m'appelle Fatima. J'ai 25 ans et je vais assister au mariage de ma cousine Germaine à Boston et c'est mon oncle qui paye le voyage. J'ai une photocopie de l'itinéraire et j'ai l'intention de revenir immédiatement, pas de rester aux États-Unis en situation irrégulière. J'ai des attaches mais fortes dans mon pays. J'aime beaucoup vivre ici. Merci, merci madame. Je peux avoir mon visa maintenant ? Pardon ? Bonjour madame. Je m'appelle Fatima et j'ai 25 ans. Je vais assister au mariage. Je ne vous ai rien demandé. J'ai des attaches fortes dans mon pays, madame. Pourquoi vous me racontez tout ça? Demande reçue, visa refusé. Suivant. Mais pourquoi? Je vous ai tout dit, madame. Fatima tremble. Ses papiers volent de tous les côtés. Nous tremblons tous devant les dieux. Mais pourquoi n'a-t-elle pas attendu qu'on lui pose des questions? Nous apprenons tous par cœur ce qu'on doit dire devant les dieux. Fatima est emmenée vers la sortie comme une feuille dans le vent. Numéro 43. C'est moi. Il est exactement 1h de l'après-midi. Je suis l'avant-dernière, même si j'étais la première arrivée à 3h du matin. Numéro 43. Je me dirige vers le guichet 2. Derrière la vitre blindée se tient un autre dieu. Ce dieu-là a l'air différent. Elle ne me dévisage pas. Elle n'élève pas la voix, elle parle comme un être humain. Bonjour mademoiselle. Bon après-midi madame. Elle regarde l'ordinateur devant elle. C'est la deuxième fois que vous venez, c'est ça? C'est ça. Elle m'interroge en regardant mon formulaire. Les mêmes questions, les mêmes réponses. Elle me regarde, regarde le formulaire, regarde l'ordinateur. Qu'allez-vous faire aux États-Unis? Ah, tiens, une question différente. J'y vais pour participer à un congrès de jeunes espoirs. Je songe. Tout est écrit là, sur le formulaire qu'elle vient de regarder. Pourquoi nous font-ils répéter ce qu'on a écrit? Pourquoi n'organisez-vous pas votre propre congrès de jeunes espoirs ici, dans votre pays? Il faut absolument que vous alliez aux USA. Celle-là, je ne l'avais pas préparée. Mais je sais exactement pourquoi les USA. Madame, il s'agit d'un congrès international de jeunes espoirs du monde entier. Nous allons échanger des idées, parler de ce qu'on fait dans nos différentes communautés. Il s'agit là d'un congrès de futurs leaders dans différentes sphères d'influence. Je figure également parmi les très rares candidats sélectionnés pour participer à un programme de mentorat sur comment décliner des politiques sociales. J'aurai l'occasion d'interagir avec mes mentors. Ça a l'air très intéressant. Oui, madame. Vous pourriez le tenir ici, le congrès? Madame, si c'était possible, c'est certainement ce que je ferais. Mais ici, il n'y a pas de jeunes espoirs américains, ni d'autres qui viennent ailleurs. Je veux partager avec eux ce que je fais, tirer profit de ce qu'ils font. Vous n'avez pas d'attache forte dans ce pays? Quoi? J'ai une famille. Pas assez. Une mère. Pas assez. Deux frères. Pas assez. Une sœur. Pas assez. Je les aime. Pas assez. Ils m'aiment. Pas assez. Ce sont celles-là mes attaches les plus fortes. Ce n'est pas assez. Je fais tout un travail. Pas assez. Dans des communautés rurales. Pas assez. Nous analysons les défis qu'ils ont à relever. Pas assez. Et suggérons des solutions à l'échelon local. Pas assez. Il y a des gens qui me sont chers. Pas assez. Dans ces communautés. Pas assez. Ce sont celles-là mes attaches les plus fortes. Ce n'est pas assez. On m'a passé commande. Et alors? D'une recherche. Et alors? Dans ces communautés. Et alors? Il faudra que je rentre. Et alors? Pour faire cette recherche. Et alors? Je ne peux pas rester aux États-Unis. Peux pas. Je ne veux pas rester là-bas. Je n'ai ni famille ni amis là-bas. Comment se fait-il qu'on ait toujours beaucoup de demandes de personnes de votre genre pour les USA? Et je songe. Qu'est-ce qu'elle entend par « mon genre » J'ai envie de lui demander, de m'expliquer, mais non, surtout pas. Je gâcherai mes chances avec mes questions, je me tais. Allez-vous répondre à ma question? Je ne peux pas répondre pour chaque personne de mon genre, mais je peux seulement répondre pour moi. On m'a invitée. Vous pourriez faire en sorte que les Américains et ces autres, d'ailleurs, viennent ici. C'est pas à vous d'y aller. Madame, faites-les venir et ce ne sera pas à moi d'y aller. Elle me regarde, choquée. Je porte la main à mes perles, pas pour attirer l'attention, mais par désespoir. Elle reste là, sans parler, à me regarder, à me dévisager comme l'autre dieu. Donnez-moi vos papiers. Elle me demande de tout lui remettre, tous mes papiers jusqu'au dernier. Même les reçus de droit de visa ?
Vous savez ce que ça veut dire, tout? Elle a disparu en direction des salles, à l'arrière. Silence. Dévisager doit être la base de leur formation, de leur vocation. Pour terroriser leurs victimes. Silence. Je suis prête à tout. Comment lui prouver que je reviendrai? Mais il y a de la joie, il y a de la joie au fond de moi. J'ai retrouvé ma langue, j'ai parlé, je l'ai convaincue. Cette fois, je vais gagner. À l'intérieur du temple, dans les chambres sacrées, les lieux où il m'est interdit d'entrer, j'imagine que des délibérations se tiennent avec les anges, avec les autres dieux. Une consultation d'êtres célestes en train d'évaluer la situation d'une mortelle. We simply cannot allow people to pour into the United States undetected, undocumented, unchecked, and circumventing the line of people who are waiting patiently, diligently, and lawfully to become immigrants in this country. Une décision est prise. Cela, je ne le vois pas. J'attends, je prie, les doigts entrecroisés. Mademoiselle. Je relève les coins de ma bouche, incline la tête, tâte mes perles, je la regarde droit dans les yeux et souris. Elles sont toutes là, mes attaches fortes. Silence. Caché. Elle m'a appelée par mon prénom, c'est bon signe. Vous devez comprendre, il y a des individus que nous estimons à haut risque. À haut risque? Jeune, célibataire, sans revenu régulier. Madame, je ne comprends pas. Elle repousse doucement les papiers vers moi. Je regrette, tout ça ne suffit pas. Je suis désolée. Demande reçue, visa refusée. Là, comme ça, nouveau coup de tampon sur mon passeport. Elle suit ma main des yeux alors que je reprends nerveusement mes documents. À haut risque, jeune, célibataire, sans revenu régulier. Et ces mots ne cessent de résonner dans ma tête. Ils avaient l'air appris par cœur, comme si on lui avait donné l'ordre de les dire. Elle n'a pas été convaincante en les disant. À haut risque, jeune, célibataire, sans revenu régulier. Et à présent, elle me jauge, le regard fixé sur les perles. Je n'arrive pas à savoir si à ses yeux l'image fait vraiment tout. Suivant. Je rassemble mes nombreux documents, je les fourre dans le sac, je marche vers la sortie. L'écho de ces mots dans ma tête. À haut risque, jeune, célibataire, sans revenu régulier. Mes attaches avec mon pays, ma communauté, ma famille, ce n'est pas assez. Je suis hors du temple. Caché ? Hachem ? Qu'est-ce que tu fais ici ? L'ambassade m'a convoqué pour réexaminer ma demande de visa. Quoi ? Comment ça ? Les parrains du voyage ont intercédé en ma faveur. Ils savaient qui appeler, c'est ça ? C'est ça. Ils savaient quel langage tenir. C'est ça. Ils ne lancent pas d'imprécations comme tu l'as fait. J'ai été forcée de m'excuser. Par qui ? Les parrains du voyage. Et tu l'as fait ? Des lèvres, pas du cœur. Au fond de moi, je continue à gueuler, à crier après eux. Je les prends simplement à leur propre jeu. Maintenant, je connais les règles. Je fais semblant d'être désolée et j'ai mon visa. Là, comme ça ? Là, comme ça. Quel renard tu fais ? Comme nous tous. Je me tais. Je sais pourquoi elle dit ça. Ça veut dire que tu vas avoir ton visa ? Il y a de fortes chances. Je n'ai même pas eu à remplir d'autres demandes ni à repayer. On m'a simplement dit de venir avec mon passeport. Oh, Hachem, je suis contente pour toi, vraiment. Dieu m'a souri. Bon, ne recommence pas à les injurier. Cette fois, il se peut que je les cogne. Hachem, je suis sérieuse. Moi aussi ? Pense à l'argent qu'ils se font grâce à nous. Bah, je sais, mais personne ne nous force à payer. Notre nécessité nous force à payer. Alors autant arrêter de nous plaindre. Pour certains d'entre vous, de certaines régions du pays, il n'y a pas de nécessité à fuir la situation. Ah non, tu vas pas recommencer, remettre ça avec les régions d'origine. Pourquoi pas ? Je n'ai jamais compris pourquoi dans ce pays, la première question que te posent les gens, c'est « Vous êtes de quelle région du pays ?» C'est très habile cette façon de t'exclure, de te considérer comme l'autre, d'émettre des suppositions. Je suis du Nord et j'en suis fière. Et pourtant, tu t'enfuis. C'est un seul et même pays. Ce qui te touche me touche aussi. C'est pas pour ça que je ne suis pas fière de là d'où je viens. Un seul et même pays ? Bah, tu es déjà allée dans le Nord. Eh ben, bon, étant donné que là-bas c'était la guerre civile... Ce n'est pas un seul et même pays. Pour certains d'entre vous, l'objectif en demandant ce visa, c'est le voyage en Amérique. Tout le battage qu'on t'en fait, tu parles. Ah, c'est comme ça que tu me juges ? Pour certains d'entre nous, c'est une renaissance. Non, il faut que j'y aille. Peut-être qu'il faut que tu les injuries comme moi. Ils ne sont pas polis avec nous. Arrête de l'être avec eux. Si j'étais toi, j'entrerais là, je m'entretiendrais
poliment avec un autre dieu, merci mon dieu, et j'attendrai qu'on m'appelle pour retirer mon visa. Va jouer ta partie. Comme elle se joue à deux, ils devraient savoir que sans nous, eux ne seraient peut-être pas là. Faux. Sans toi, ils y seraient quand même. Sans eux, tu n'y serais peut-être pas. Dieu, j'ai envie de te frapper. Réfléchis, Katché. Près de 45 personnes par jour paient chacune 100 dollars. Multiplie ça par 4 jours par semaine, 52 semaines par an. Et combien tu crois qu'il y a de pays au monde où des gens cherchent à fuir et à gagner la terre promise? Je peux même pas l'imaginer. Rentre chez toi, faire le calcul. Au revoir. Katché, si j'étais toi, je dirais aux parrains du voyage d'appeler directement l'ambassade et de plaider ta cause. Crois-moi, ça marche. Joue le jeu. Je te souhaite une belle renaissance. Je porte la main à mon sac. Je suis plus pauvre de 200 dollars. Et l'Amérique qui me croit à haut risque. Hachène pourrait bien être du nombre, mais sûrement pas moi. Ainsi, je suis perdante encore une fois. I would build a great wall, and nobody builds walls better than me, believe me. And I'll build them very inexpensively. I will build a great, great wall on our southern border, and I will have Mexico pay for that wall. Mark my words. Je m'étais juré de ne jamais remettre les pieds dans ce temple. Je refusais de demander aux parrains de mon voyage d'appeler l'ambassade et d'intercéder en ma faveur. Mais ils m'ont supplié d'insister, m'ont même obtenu une lettre de soutien d'un membre du Congrès. Un membre du Congrès d'Amérique qui roule pour moi. Katché, j'ai décidé de faire une ultime tentative. Une dernière fois. Ma dernière chance. Après cette demande, je n'aurai plus droit d'en faire aucune, de toute l'année. Si je suis de retour ici, c'est pour leur prouver que non, je ne suis pas à haut risque. Pour entrer au bercail, je n'ai pas besoin de gagner gros. Je n'ai pas besoin d'avoir un emploi permanent. Je n'ai pas besoin d'être mariée. Pour ça, ma famille, mon travail sont assez. Ce que je suis suffit. L'heure, 7 heures pile du matin. Le jour, 10 avril, 9 jours après le jour des dupes. Mon meilleur costume, troqué pour des jeans délavés. Fini l'ennemi sans dormir, fini de répéter pour me préparer à rencontrer les dieux. Là, je prends mon temps et plus de documents, plus de lettres de soutien qui montrent, attestent de... Notre identité. Mon attachement à mon pays. Les scènes familières. Ce sol ne semble plus du tout sacré. Les visages familiers. Les voix familières. Les sons familiers. Je me décide à profiter d'eux tous. Je suis là pour essayer de jouer à ce jeu dont je comprends les règles peu à peu. On le fait tous, d'entrer dans le jeu. Je me décide à écouter leurs contes, à eux qui sont ici, pour rencontrer Dieu. Son histoire à elle, son histoire à lui, leur histoire. Notre histoire. Ceux qui partent pour leurs loisirs, ceux qui partent pour leurs études, ceux qui partent pour affaires, ceux qui se prétendent évangélistes. Votre destination, voilà ce qui influence votre décision. J'aime mon pays. Ce sont toutes de belles parties. Ce sont tous de bons spectacles. Mais celui-ci pourrait bien décrocher l'Oscar. Suivant, numéro 25. Mm-hmm. Vous êtes déjà venu? Oui, madame. Nom? Ruhanga Teremwa Kukora. Votre nom est une vraie sentence, monsieur. C'est ça mon nom, madame. Que vous dites? Qu'est-ce qu'il signifie? Il signifie le créateur, il manque pas travailler. Que faites-vous? La danse. Ah, c'est pour ça que vous voulez aller aux États-Unis? Non, madame. Pour quel motif voulez-vous vous rendre aux USA? Ma jambe très malade, finis la danse, allez pour soigner elle. Ah, quel genre de danse faites-vous? Danse de tribu. Quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Allez, il appelait elle comment encore? Ah, vous voulez parler des danses traditionnelles, folkloriques? Celle-là. Votre niveau d'anglais est mauvais. Comment expliquerez-vous votre situation à ceux qui vont vous soigner? Oui. Décidément, il ne comprend pas. Vous êtes mariée? Oui, madame, une femme seulement. Vous comptez en avoir combien? Dire 3 semaines seulement dans la lettre. Oh, c'est épuisant. Il ne comprend pas. Pardon? Vous avez un certificat de mariage? Oui. Vous voulez voir? Oui. Donnez-le-moi. Des enfants? Non. Votre dossier médical, s'il vous plaît? Voici, madame.
Et comment connaissez-vous cette personne qui paye votre voyage? Lui aime ma danse, lui homme important dans le gouvernement. Et comment pouvez-vous me prouver que vous reviendrez? Non. Monsieur Rouga, machin truc, là. Il faudrait penser à prendre un diminutif. Vous reviendrez? Reviendrai? Oui, moi reviens. Pourquoi? Pourquoi? Parce que moi, ma femme, tout seul. Vous pouvez trouver une autre épouse en Amérique. Épouse d'Amérique? Comment? Moi, anglais, dur pour parler, moi, pas savoir. Je laisse femme américaine tranquille. Et vous savez chanter? Chanter? Oui, moi, chante. Et vous savez aussi danser, bien sûr. Oui, moi, danse. Faites voir. Alors, j'ai visa. Monsieur, là, je vous demande de chanter et de danser. Ok. Chanter, moi, chante. Danser, ma jambe, vraiment trop mauvais. Très bien. Oubliez la danse et chantez. Mais pas tambour. Il vous faut forcément un tambour? Oui. Et qui jouera du tambour? Je sais pas. Vous, peut-être. Bon, eh bien, faites sans le tambour. Pas la danse. Non, pas la danse. Chantez. Qu'est-ce qui ne va pas? Moi, pense la chanson. Kappa, eh, gogba, gogba, kappa, eh, gogba, eh, mes. Kappa, eh, gogba, gogba, kappa, eh, gogba, eh, mes. Revenez à 2 heures, cherchez votre visa. J'ai visa? Oui. Oh, très, très grand merci, madame. Ma jambe, elle est vraiment très, très bien. Bon, allez, je dois recevoir d'autres personnes. Suivant. Un spectacle mémorable. Cet homme savait comment jouer à ce jeu. Tout le monde est parti. Je suis la dernière dans les lieux. Voilà qui pourrait être aussi du spectacle. En voilà du spectacle, bonnes gens. Ne manquez pas mon spectacle. Suivant. Numéro 45. Bon après-midi, madame. Oh non, encore vous? J'ai une lettre. Ah, j'ai lu toutes vos lettres, hein. En voir d'autres ne m'intéresse pas. Celle-ci est d'un membre du Congrès. Oui, 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 je suis sûre d'en avoir reçu un double de cette lettre. Eh bien? Eh bien? Mais même si elle était du paradis, je ne vous délivrerai pas de visa. Quoi? Je sais que vous allez essayer de vivre en situation irrégulière dans mon pays. Non, mais qu'est-ce qui vous permet d'affirmer ça? Qui interroge qui, là? Je ne vous interroge pas, madame. Ce sont des gens comme vous qui créent l'insécurité dans mon pays. Quoi? Vous essayez de vous rendre dans mon pays alors que le monde entier est en état d'alerte terroriste. Elle rassemble ses papiers, me fait signe de libérer son guichet. L'entretien est clos. Ma partie est considérée comme terminée, mon spectacle fini avant même de commencer. Je suis venue lui montrer que ce que je suis suffit, lui prouver que je reviendrai. Je ne vais pas partir comme ça, je reste. Je vous prie de partir. Tu trouves que j'ai l'air d'une terroriste? Vous croyez que les terroristes ont un air particulier? Je ne sais pas, à toi de me le dire. Je le connais, votre genre. Vous faites des mariages blancs, travaillez en situation irrégulière, prenez les boulots de ceux qui y ont droit, donnez le jour à des enfants illégitimes. Ah, c'est donc ça. Tu sais que vous êtes un certain nombre, une fois dans nos pays, à vous débrouiller pour rester en Afrique. Une meilleure nourriture, un air moins pollué, un meilleur salaire parce qu'il s'agit de pays à haut risque, vous touchez des primes pour conditions difficiles, vivez comme des rois et des reines, et une fois à la retraite, vous restez vivre ici en situation irrégulière. Vous avez une drôle de personnalité. Je commence à vous trouver assez antipathique. Je n'ai pas l'intention de vivre dans ton pays en situation irrégulière, moi. Prouvez-le. Mais comment tu veux que je le prouve? Sans emploi permanent, sans revenu régulier. Je reviendrai, crois-moi, fais ma confiance. Et pourquoi devrais-je vous faire confiance? Ma parole d'honneur. Ça ne compte pas. Et qu'est-ce qui compterait pour toi, madame? La façon dont vous avez insisté pour faire ce voyage est une raison suffisante pour m'indiquer que vous ne reviendrez pas. Parce que des gens ordinaires comme moi, originaires d'un pays comme le mien, ne sont pas censés voyager, ni même autorisés à voyager par des gens comme toi. À moins de faire ce voyage dans un but précis, et qu'il y ait une bonne raison qui les pousse à rentrer dans leur pays d'origine. Alors si ça, c'est pas une façon de nous dégrader... Pourquoi tenez-vous tant que ça à partir? On m'offre l'occasion de voyager et de rencontrer d'autres jeunes espoirs. Je ne comprends pas pourquoi cette chance me serait refusée. Parce que vous n'avez rien qui motiverait votre retour. Comment tu peux dire ça? J'aime mon pays. Je travaille dans des communautés pour influencer les politiques publiques en matière d'éducation, de chômage et de santé. Je mène actuellement une recherche sur la façon dont diverses communautés de ce pays peuvent influencer un changement politique au niveau gouvernemental.
J'ai pour mentor le plus grand cerveau du monde. C'est l'occasion de ma vie de connaître d'autres gens et de communiquer avec eux, de rencontrer de futurs leaders mondiaux. Mais tu crois vraiment que je gâcherais tout ça pour rester vivre dans ton pays en situation irrégulière? Tu sais depuis combien de temps je bosse dans une ambassade? Non. Tu sais combien de gens j'ai interrogés pendant toutes ces années dans des pays comme celui-ci? Non. Tu sais combien de gens comme toi m'ont trompé et m'ont fait croire qu'ils étaient vraiment sincères? Non. Et je leur accorde des visas, de non-immigrants, tout ça pour qu'ils ne reviennent pas. Mais je ne suis pas de ces gens-là. Vois-moi telle que je suis. Mais j'en ai vu défiler des gens prétendre comme toi qu'ils sont importants. Pas moi. Prétendre... Le travail que je fais... Prétendre qu'ils reviendront. Je reviendrai. Prétendre qu'ici, ils ont une grosse situation. Ici, je n'ai pas une grosse situation. J'ai du travail qui m'attend. Prétendre qu'ils ne sont pas des terroristes. Quoi? Mais je ne suis pas une terroriste. Qui sait? Non, tu le sais. Non, je ne te connais pas. Pourtant, tu prétends que je suis une terroriste. Je ne suis pas une terroriste et je reviendrai. C'est pas vrai. Chez moi. C'est pas vrai. Si je rentrerai. Non, tu le feras pas. Si je le ferai. Tu le feras pas. Je le ferai. Non. Si. Non. Si. Demande reçue, visa refusé. Je ne bouge pas. Je pense. Non. Je ne pense pas. Je suis incapable de penser. J'ai la tête qui tourne, les mains moites, une montée d'adrénaline. Je veux la battre. La gifler. La cogner, la boxer, la flinguer. Oui, la flinguer. Partez. Elle me voit. Elle me déchiffre, là. Elle n'a pas su lire mes pensées quand je lui disais toute la vérité. Elle a préféré faire la sourde. Et maintenant que j'enrage, que je veux en découdre, elle voit clair en moi. Code numéro 7. Problème au guichet 3. Elle ne pouvait donc pas lire en moi tout à l'heure? Je rassemble mes papiers. Il y en a tellement, il me faudrait un caddie pour tout emporter. Mes yeux sur elle, ses yeux sur moi. Sans cette vitre entre nous, je lui aurais refait le portrait, mes yeux sur elle, les siens sur moi. Problème au guichet numéro 3. Mademoiselle. Quoi? Faut y aller. Je suis pas venue ici passer la nuit. J'ai reçu l'ordre... De m'expulser. De vous reconduire. Je connais le chemin. Je me dirige vers la sortie. Des yeux toujours fixés sur moi, je le sais. Je les sens à travers leur caméra. Je suis hors du bâtiment. Vous, ça va? Ruhanga Taremwa Kokora. Vous rappelez mon nom? Votre nom est mémorable, monsieur. Félicitations. Merci. Vous avoir visa aussi? Vous avoir visa? Non. Pourquoi? J'en sais rien. Vous venir faire quoi ici encore? Je viens de terminer mon entretien. De matin à maintenant? Eh, ça va être très long. Vous êtes un comique. Pourquoi vous lui avoir chanté une comptine? Elle mettre moi en colère. Elle passe à voir chanson à quoi il sert. Je donne elle une chanson comique pour qu'enfin il joue, mais elle passe à voir ça. Et qu'est-il arrivé à votre jambe? Je sais pas. Le docteur, il dit moi mon os avoir un trou. Bah, j'espère de tout cœur que vous irez mieux. Merci. Vous reviendrez? Oui, moi avoir une jeune femme, nous marier mois dernier. C'est formidable. Formidable? Nous prévu marier 2 ans à partir maintenant, mais nous marier va vite à cause visa. Pas cérémonie de mariage, pas invité de mariage, parce que pas argent pour mariage vite, vite. Alors moi partir, reviens, peut-être dans 2 ans nous faire vrai, vrai mariage avec cérémonie et invité et beaucoup boire et manger. Je comprends pas. Vous voyez, dire moi, si je veux se dire savoir moi reviens, je dois me marier là de suite. Alors nous tout changer date pour moi avoir visa. Ah, j'espère que tout ira bien pour vous. Merci. Peut-être vous mariez aussi et elle donne vous visa. Vous mariez, d'accord? Ruhanga Taremwa Kokora disparaît derrière les murs du château de ce temple des dieux. Je porte la main à mon sac. Je suis plus pauvre de $300, à savoir plus pauvre de 2 mois de salaire. Mais aussi plus pauvre, plus riche de 3 timbres de demandes reçues. Visa refusé. Poisson d'avril. Cette bouffonnerie commencée le premier, le jour des dupes, m'aura bien rattrapée. Je m'en vais d'ici sans être du nombre, et pourtant, pas une perdante. Je pars la tête haute, trouver ma voie, me trouver moi. Ta destination, voilà ce qui influence leur décision. Mon spectacle est terminé.
Merci, merci à tous. En l'absence de l'autrice, je vais demander à Gisèle Joly, qui a traduit le texte, de venir nous rejoindre. Un traducteur, une traductrice est aussi un auteur et une autrice. Un micro. Gisèle Joly, vous avez donc traduit ce texte de Déborah Kawé. Que peut-on raconter du travail d'une traductrice sur un texte comme celui-là? Est-ce que vous connaissez bien, par exemple, l'autrice? Non, je ne la connaissais pas du tout. Le texte, on l'a découvert en faisant des recherches dans le cadre de la Maison Antoine Vitesse, qui avait une demande du Théâtre de l'Odéon pour sélectionner des pièces anglophones pour la saison Africa. Et donc, du coup, et il se trouve que Azimwe Déborah Kawé était à l'époque la directrice du festival de Kampala, du grand festival international de théâtre. Et donc, non seulement elle nous a envoyé cette pièce-là qu'elle avait écrite, mais elle nous a donné une grande liste d'auteurs africains féminins dans lequel on a trouvé d'autres pièces formidables. Et après, donc, et la Maison Antoine Vitesse était engagée dans le partenariat avec l'Odéon à donner 4 bourses de traduction. Donc cette pièce a fait partie d'une des 4 bourses. Et j'ai eu la chance et l'honneur de pouvoir traduire cette pièce-là. Et après, j'ai sillonné Internet pour savoir qui elle était, écouter des interviews. Au début, elle nous avait envoyé 2 pièces, donc j'ai lu l'autre pièce, qui est très, très différente, mais qui est aussi formidable, qui s'appelle un truc avec oil. C'est l'histoire d'une jeune fille qui vend de l'huile en contrebande à travers la frontière pour se faire de l'argent. Et puis qui, en fait, va se faire vendre par l'oncle, qui est le pourvoyeur de la famille. C'est une histoire terrible. Et Cooking Oil, ça s'appelle. Et donc, dans un des interviews, j'ai justement entendu Déborah, Azimwe Déborah, parce qu'elle a 2 prénoms. Un prénom qu'on lui a donné à la naissance, qui est anglophone, et puis le prénom africain, qui était son 2e, qu'elle a choisi de garder en premier. Et donc, elle racontait qu'elle avait été énormément influencée par les histoires que lui racontait sa grand-mère et par le fait qu'elle venait du sud-ouest de l'Ouganda et que la langue là-bas est très... les chants, tout est très rythmé. Et que donc, du coup, ça a été l'axe, pour répondre à la question enfin, ça a été l'axe de ma traduction. C'était d'essayer de rythmer. En plus, la pièce, elle est écrite en vers blanc, c'est-à-dire qu'il y a des paragraphes où c'est de la prose, mais sinon, c'est exactement ce qu'ont fait magnifiquement les comédiens. C'est que on sent le retour à la ligne, et puis l'accompagnement de la musique, les voix du cœur qui ont rythmé ça, tout. C'était parfait. La lecture que je viens de voir et d'entendre m'a énormément contentée, remplie de joie. Et voilà. Et je vous remercie d'avoir été là pour y assister. Juste 2-3 petites choses peut-être pour nous raconter à la fois qui est Azimwe Déborah Kawé, ce qu'on en peut dire. Mais sur le texte, vous avez dit, il y a un autre texte qui était terrible. Est-ce que vous trouvez que ce texte-là est terrible aussi ou qu'il est drôle? Parce qu'on est quand même dans cette ambivalence de sentiments et de constats. La force de ce texte, c'est qu'elle ne nous met pas la tragédie en premier. Face. C'est-à-dire que la tragédie est toujours là, ça résonne. Mais comme on dit toujours que les grands clowns sont des gens très tristes, je pense que ça va avec le fait qu'elle ait choisi cette forme qui est plus satirique que comique, je dirais.
Et que donc, du coup, évidemment, il y a la comédie. Mais finalement, cet homme qui se marie de force, pour lui, c'est une histoire tragique. Qu'il soit obligé de se marier sans argent, alors que le mariage, c'est une chose qui se fait avec la communauté. Et que donc là, ça se fait comme un tour de passe-passe. Ça l'a complètement blessé. Donc le comique est mêlé au tragique, mais il n'est pas. Il sert à la passation pour que en face on n'ait pas la réception douloureuse et du coup on peut mieux capter tout. J'ai l'impression. Deux trois choses sur Assiwé Deborah Kawé. Elle a donc dirigé le Festival international de théâtre de Kampala. Elle le dirige toujours. C'est une autrice importante dans l'Afrique anglophone. Je n'en sais rien. Je ne suis pas là-bas. C'est tout nouveau, ma connaissance de ce répertoire, en fait. Ce que je sais, c'est qu'elle n'a pas encore été éditée. Mais peut-être que l'édition en Afrique est compliquée. Peut-être que l'édition, elle est liée au fait qu'elle est représentée. Et pour l'instant, la création s'est faite aux États-Unis, parce que la formation de Deborah, c'est qu'elle a fait partie de ce programme qui s'appelle Sundance, qui a été créé par un grand acteur de cinéma. C'est Eastwood, non ? Non. Redford ? Redford, voilà, Redford. Robert Redford. Et que donc, du coup, elle a fait partie de ce programme tellement bien qu'après, elle est devenue formatrice de ce programme et qu'après, elle a effectivement coordonné des programmes culturels entre l'Afrique et les États-Unis. Cette pièce a été créée dans une université. Je pense que Deborah raconte qu'elle a eu ces problèmes-là pour obtenir les visas. Elle les a eus justement quand elle faisait ses voyages vers les États-Unis pour compléter ses études et qu'elle n'arrivait pas à prouver qu'à l'âge qu'elle avait, si elle n'était pas mariée, elle allait revenir et qu'elle était... Voilà. Donc, pièce créée dans une université aux États-Unis et lue donc pour la première fois dans ce cycle Ça va, le monde, et qui est donc diffusée déjà via Facebook. Je crois qu'elle était derrière son écran en écoutant ce texte. Et bien évidemment sur l'antenne de RFI à la fin du mois d'août. Merci beaucoup. Vous transmettez nos félicitations et nos applaudissements à Deborah Siwe, parce que moi j'ai un peu échangé avec elle, mais mon anglais est terrible. Donc je passais beaucoup par Gisèle. Donc merci d'avoir été ce passeur aussi. Et moi je vous remercie d'avoir choisi cette pièce-là et de la faire entendre, parce que sans vous, ça ne se serait pas passé non plus. Et sans RFI et sans les partenaires, ça ne se serait pas passé. Merci à vous. Mais il y a aussi les auteurs et le public. Merci beaucoup. Absolument. Et on se retrouve donc l'année prochaine. Ce sera la 10e édition de Ça va, le monde. Alors par rapport aux éditions du Festival d'Avignon, c'est peu, mais 10 ans, tout d'un coup, je me dis, on vous a fait entendre des choses venues d'ailleurs, d'horizons, d'histoires, de cultures, de sensibilités, d'écritures différentes. Et ça, je pense que pour tous les partenaires, pour moi-même, pour RFI, c'est important. Et pour les auditeurs aussi, d'entendre des textes qui sont nés dans leur culture, dans leur zone géographique et qui ne circulent pas toujours, mais qui circulent grâce à un média qui est la radio. Merci beaucoup, à l'année prochaine.